Bonjour. Bonjour. Merci. Ah. On dit merci à chaque fois. Et la vitesse, c'est clair que ça fait plaisir parce qu'on voit qu'on est soutenu et puis même si on n'en a jamais douté, voilà, ça fait plaisir de se rapprocher des gens, de nos supporters et de partager un petit peu avec eux. Chaque année c'est un peu un rendez-vous important pour les supporters et pour nous, donc c'est vrai que c'est bien de pouvoir rencontrer les personnes qui viennent nous soutenir le week-end. Ça montre que les supporters nous soutiennent et qu'ils sont avec nous dans cette dernière ligne droite. Et ça fait plaisir d'être à leur contact dans ces moments-là. Et je pense que ça va nous rebooster pour le dernier sprint final. Ils nous félicitent, ils sont contents de notre saison. Ils espèrent eux aussi qu'on va atteindre notre objectif. Et voilà, on voit dans leur sourire, dans leur façon à certains d'être en face de nous comme ça. C'est vrai que ça fait du bien et puis ça fait énormément plaisir. Ouais. Bah, des encouragements, beaucoup sur le match qui va arriver là contre Dijon et puis ça leur fait plaisir de nous voir, donc c'est bien. Ils nous disent déjà qu'il faut gagner à Dijon, la première chose. Et ensuite ils me disent qu'ils sont fiers de nous, qu'ils sont fiers de cette saison et qu'ils espèrent qu'on va continuer, qu'on va finir sur une bonne note. Là c'est sûr et c'est plus proche, mais les jours des matchs aussi, même si on est éloigné, on sent depuis un moment que le public il est derrière ces groupes-là. Moi, ça ne me surprend pas parce que. D'abord, parce que je pense que autant le groupe il le mérite, autant le public il le mérite aussi. Merci les gars. Allez, bon match hein, pour le Dijon. Hein. Merci, merci. J'espère que vous allez gagner là. Ah bah, vous aussi. Je leur dis continuez comme ça, c'est bien comment vous faites et continuez à mettre des bonnes balles, à bien jouer. Pour avoir la photo de la Estancy Lorraine complète avec les dédicaces de tous les joueurs qui, j'espère, vont faire de bons résultats pour l'année prochaine. Franchement, c'est un club que je suis depuis vraiment tout petit. Vraiment, il faut une superbe saison en plus. Donc franchement, autant les soutenir jusqu'au bout. Il faut les soutenir à fond et qu'ils aillent gagner à Dijon. Au moins, ça leur donnerait du courage pour les autres matchs. Franchement, c'est un honneur déjà d'être face à eux. Franchement, je leur dis qu'ils continuent comme ça. Puis ils déchirent tout, de toute façon, qu'ils continuent, la Ligue 1 sera à nous. Alors Esteban, t'as vu des joueurs aujourd'hui? T'as vu qui? Obikiachi. Quel numéro, les maillots, Obikiachi? 15 et 16. Ouais, et t'aimes bien les joueurs là? Oui. Voilà. C'est ma ville de naissance et après, bah, ils font des bons résultats sportifs aussi. Donc du coup, voilà, surtout quand ils étaient en Ligue 1, on a eu un bon parcours. Donc... ils nous font vibrer, voilà. Qui a le maillot d'Adji chez nous, et le vert, c'est le vert en plastique de la buvette à Kadji. Donc il connaît son numéro de maillot, il connaît le joueur, et puis il aime bien le joueur. Là, il met beaucoup de... Panier. Ah non, pas de panier, des buts. Des buts. Voilà. Parce que je suis supporter de la SNL depuis un peu plus de 40 ans maintenant, et puis c'est toujours un plaisir de rencontrer les joueurs, parce qu'ils sont... ils sont très abordables, très ouverts, très sympas. Qui continue comme ça, qui s'amuse, qui nous régale. Du samba, c'est tout. Adji, Ndia Sembe, ouais, c'est vraiment mes joueurs préférés. Adji, comme je suis marocaine et que c'est un Marocain. Voilà. Et puis Robic, mais ça l'est devenu. Je ne l'aimais pas parce qu'il est marseillais. Tiens. Ah ouais, non mais tous les vendredis, il est dans le tunnel. Hein. Ah, c'est gentil. Toi, tu comprends le football, toi. On voit qu'à chaque match il y a du soutien, il y a une communion entre les joueurs et les supporters à chaque fin de match, surtout quand c'est une victoire. Puis après je pense que dans ces moments-là ça fait toujours plaisir, surtout que là qu'on rentre dans une phase très importante. Carrément, ça nous fait plaisir, on ne calcule pas, on ne compte pas le temps, on vient parce que ça nous fait plaisir de le faire aussi. Et je pense que les gens ils le voient, voilà, on prend le temps pour parler avec eux parce qu'il y en a qui... il y en a qui aiment bien ça et puis après voilà, on est disponible et c'est vraiment avec plaisir et naturellement qu'on le fait. Ouais, c'est important, on sait qu'à Pico, depuis le début de la saison, ils sont toujours nombreux. Même à l'extérieur, même quand c'est vraiment des déplacements très très loin, il y en a quelques-uns qui viennent. Donc ça nous motive pour nous donner à fond. Et là on sait que tout le monde compte sur nous pour monter, on va tout faire pour faire le boulot.